cela, l'État d'Israël est-il viable? Alors, bien entendu, il s'agit là d'une question machiavélique, dans le sens où tous ceux qui me connaissent imaginent déjà la réponse, c'est la chose est claire, et bien entendu. Mais je ne me suffis pas de cela, parce que j'aime à essayer de m'entretenir avec les textes pour essayer, en les étayant et en les subodorant, j'essaye de mieux comprendre de quoi il est question lorsque je voudrais affirmer, en tout état de cause, le contraire, peut-être. Alors, nous sommes dans les prémices de la délivrance, dit-on. Nous avons pour cela un certain nombre de signes que nous-mêmes, que vous-même avec moi, avez étudié durant cette année et demie où on se rencontre. Mais il s'avère que tout le monde ne pense pas ainsi. Et nous trouvons parmi nous un certain nombre de personnages qui sont... fiables. Non pas étranges ni étrangers, mais qui sont étonnants quant à leur réflexion de voir dans l'État d'Israël contemporain quelque chose de temporaire. C'est-à-dire que pour eux, en vérité, comme l'a dit l'un d'entre eux célèbrement, mais je ne veux pas citer de nom, on le fera hors antenne, comme on a l'habitude de dire, un personnage honorable avait dit que la création de l'État d'Israël était une création satanique. En clair, qu'il n'y avait rien dans l'événement et l'avènement de l'État d'Israël, un tant soit peu ou quelque chose relevant d'une volonté divine de voir un tel événement se réaliser, si ce n'est la mainmise du Satan dans chacun des événements et des avènements ayant sur lui. Voilà. Bien entendu, c'est quelque chose que nous devons étudier. On ne va pas le faire en une heure d'étude, ça c'est clair. Mais je veux qu'ensemble, nous puissions approcher un certain nombre de choses et voir de quoi il en retourne. Il y a un premier point que je voudrais éclaircir. C'est que, et ils ne sont pas peu nombreux, ils commencent déjà leur vindicte à l'époque du Maharal de Prague, de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Le Maharal de Prague, c'est Rabbi Yehuda Leib, à venir manifester leur mécontentement quant à une étude exacerbée, si ce n'est exagérée, du Talmud. Leur problème est que cette étude exacerbée du Talmud a mis au banc de l'étude un certain nombre d'autres études. Parmi elles, une des études primordiales, essentielles, que moi, à la limite, je n'ai pas honte de traiter de primaire, mais dans le sens primaire, non pas de primitif, mais de primaire, c'est-à-dire de début, de genèse de l'étude. Et je parle, bien entendu, du livre que nous adorons tous et qui s'appelle le Tanakh, et qui est essentiellement le socle, le fondement de l'étude à venir. Rappelons-nous, comme ça au passage, un texte de la Mishnah qui vient nous dire à 5 ans l'étude biblique, à 10 ans l'étude mishnaïque, à 15 ans l'étude talmudique, à 18 ans il se mariera. Bien entendu qu'ici les âges n'ont rien de véritable, ils indiquent simplement des périodes et surtout des périodes graduelles. Mais ce qui nous intéresse quand on lit cette Mishnah, c'est de voir, et le Maharal de Prague la prend comme référence, cette Mishnah, que tout commence ici. C'est-à-dire que, est-ce que l'un d'entre nous pourrait penser, et dans de bonne foi, que l'immeuble où nous sommes ici ait pu être construit sans que l'on y ait investi des fondations? Personne, personne. Et nous n'avons pas besoin de sortir des ponts et chaussées pour comprendre ce genre de propos. Sans les fondations, ce bâtiment n'aurait aucune chance de tenir debout, encore moins avec les vents et encore moins avec des tremblements de terre, etc. etc. Donc, la réflexion que je vais vous apprendre ce soir, c'est que
tout autant que le Talmud est important et essentiel. Là-dessus, nous n'avons rien à redire. Nous avons à redire quant à l'échelle des valeurs de l'étude. Quand je dis le mot « valeur », je parle des matières à étudier, où chacune de ces matières est une valeur en tant que telle, et je parle donc de l'échelle des valeurs. Le Talmud, si vous vouliez, c'est très difficile de le résumer, mais bon, j'utilise un de mes maîtres pour vous dire que le Talmud, ça serait la question. Mais ce qu'il rajoute, c'est que le Tanakh, ça serait la réponse. Et en vérité, le Talmud, dans ses rencontres discursives, puisque vous savez que c'est toujours l'un face à l'autre, ou comme on est maintenant, vous voyez, et puis je suis en train d'énoncer cette Mishnah dont je viens de parler, et puis là, autour, vous êtes tous autour de moi, et puis vous allez commencer à me dire, non mais moi de mon maître j'ai entendu ceci, cela, il va venir avec un extrait du Tanakh qui va contredire, objectiver, etc., etc., pour essayer de présenter à travers un sujet donné, si oui ou non, eh bien, nous approchons d'une vérité. Je vous rappelle simplement qu'aucune vérité finaliste ne sera énoncée dans le Talmud. Il faudra attendre l'époque des enfants du Roche, de Rabbeinu Ben Asher et du Rambam, pour que ceux-ci se mettent corps et âme face au texte talmudique et essaient d'en tirer ce qu'on appellera les Arbaturim, c'est-à-dire les quatre colonnes qui sont en quelque sorte les résumés des discussions talmudiques, ou le Rambam avec son Mishneh Torah qui viendra écrire un véritable code de la loi, premier du genre d'ailleurs. Mais donc le Talmud est resté. Maintenant, étant donné que le Talmud est essentiellement la question, et que tout le monde se questionne autour de cette table, parce que la question, je vous rappelle que lorsque nous disons « chorma », c'est-à-dire « sagesse »,« intelligence », en vérité, c'est une mauvaise traduction, étant donné que le Maharal lui-même nous dit qu'en hébreu, les lettres qui composent le mot « chorma » sont celles de « koach ma chafred mem he » et « koach ma », la force du corps, c'est donc la force de la question. Le Chacham n'est pas quelqu'un d'intelligent ou de réfléchi ou je ne sais quelle autre définition du Larousse ou du petit Robert, mais il est question de celui qui a la force de la question. Et dans le Talmud, c'est véritablement la carte maîtresse, à savoir qui est capable de poser les justes questions, car dans la juste question, vous le savez, il y a déjà tout ou partie de la réponse. Maintenant, le reproche que feraient ceux qui disent qu'il est question, c'est qu'il, si on ne reste que sur le Talmud, il laisserait d'une certaine manière, à force de questions, l'individu sur un doute. Car la question est conséquente d'un doute. Alors vous savez qu'il est permis de douter un temps, qu'il est interdit de douter tout le temps. Sinon, on devient amalekite, c'est-à-dire une force destructrice, la même gematria en hébreu. Et donc, ce doute, chez certaines personnes, eh bien, va, d'une certaine manière, scléroser, d'une certaine manière, une idée, une conclusion assise, et une conclusion que l'on pourrait asseoir. Contrairement au Tanakh, lorsque nous lisons le Tanakh, nous n'avons pas de questions, nous avons ici des réponses. Le propos prophétique, puisqu'il est porte-parole de l'Éternel, vient énoncer un certain nombre de choses. Un exemple, en ce moment, cette année j'enseigne dans les quatre facs où j'enseigne le Tanakh, cette année tout le monde étudie Shoftim, le livre des juges. Bien, nous avons étudié l'époque de Dvora. Bien, nous voyons qu'à l'époque de Dvora, eh bien, les enfants d'Israël firent le mal aux yeux de l'Éternel. Les enfants d'Israël firent le mal aux yeux de l'Éternel. Alors l'Éternel provoqua une nation étrangère qui vient faire main basse sur Israël. Israël se mit à pleurer et... Alors se leva un juge en Israël qui combattit cette nation et le peuple vécut en sécurité pendant des dizaines d'années. Le rythme cyclique du Sefer Shoftim vient nous enseigner un nombre de choses. Que les enfants d'Israël font le mal aux yeux de l'Éternel. Il affirme ce qu'est le mal. Que conséquent
de ce que nous ne faisons pas, il y aura des conséquences, sans nul doute. Que ces conséquences nous amèneront à implorer « Vaïtzaakou béné Israël »« Vaïtzaakou béné Israël » Ils vont crier, pleurer, implorer, et que l'Éternel amènera quelqu'une personne qui viendra délivrer Israël. Ce sont des réponses, ce ne sont pas des questions. Ce sont des réponses. Des réponses à l'événement de l'Israélien d'antan, et qui, si ces textes sont inscrits ici, c'est qu'ils sont des réponses pour l'Israélien d'aujourd'hui. Sinon, il n'y a aucun intérêt à les avoir inscrits. Vous avez pour Obadia, vous avez un chapitre. Il a certainement parlé beaucoup plus qu'un chapitre. Mais si ce chapitre est là, c'est que ce chapitre est porteur de devenir pour Israël. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. À la limite, c'est presque une entrée en matière, mais on va continuer. Quels sont nos événements de référence pour un tel sujet? Le premier temple et le deuxième temple. Si je parle de l'époque du premier temple, je parle bien entendu du livre de Shemot, qui va précéder bien avant ce qui pourra advenir comme étant le premier temple. Mais laissons tomber cette époque-là, parce que vous pouvez retrouver les cours sur Shemot, soit sur mes sites, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur tout ce que vous voulez aujourd'hui, qui s'appelle Internet de toutes les couleurs. Et je veux parler du premier temple. Au premier temple, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous sommes arrivés au sommet de ce à quoi nous aspirions. Nous voulions la terre, nous avions un royaume qui était un véritable empire. Nous voulions un roi, nous avions un sage Shlomo. Nous avions Sanhédrin, nous avions le temple, nous avions la prêtrise. Tout était bien dans le meilleur des mondes. Or, ne voyez-vous pas que, en tout état de cause, eh bien, les choses vont se dégrader. Déjà avec le fils de Shlomo Améler, Rechabam, qui sera incapable de gérer, non pas des questions de géopolitique ou des questions de religiosité, mais des questions sociales et économiques. Dans sa rencontre à Shrem avec Yerovam comme représentant syndicaliste des 10 tribus, il va se conduire comme le dernier des moins que rien, et ça va entraîner le schisme. Ce schisme-là, c'est le début de la fin, bien entendu. La première, ce sera Israël, qui terminera plus d'une centaine d'années avant Yehuda, mais Yehuda terminera aussi, le premier temple sera détruit. Vous vous rappelez, on l'a étudié, Yirmiyahou viendra, mais dira, tout va être détruit, mais sachez que dans 70 ans, nous reviendrons. Donc, ne vous rebellez pas contre la vie des médecins, contre la vie de nos hommes, mais cette histoire du premier temple est un échec. L'échec n'est pas celui que l'Éternel aurait voulu, l'échec est celui que vous avez créé, engendré. Comme de la même manière, je l'avais appris, la veille de l'assaut de Nabucodonosor, de Nabuchadnezzar, eh bien, la veille d'une femme, il lui dit, ne pense pas que tu vas brûler les pierres de mon temple, mais tu ne feras que brûler des pierres qui sont déjà consumées. Point, barre, on veut dire, le problème est résolu. Les enfants d'Israël, qu'ont-ils fait? Alors nous savons, le beurre, matin, etc., l'idolâtrie. Deuxième temps, 70 ans plus tard, les grands Alléluia, puisque nous revenons avec le commandement, le décret de Cyrus, et puis il faudra attendre plus de 200 ans avant de voir la souveraineté et l'indépendance, car vous savez que du temps où nous sommes revenus avec Ezra et Néhémia, jusqu'au Maccabée, nous sommes sous un régime d'autonomie territoriale et non pas de souveraineté nationale. Ceci apparaîtra avec la révolte des Maccabées. Et je dis toujours qu'à force de répéter, ça va nous rentrer dans la tête un jour ou l'autre, parce qu'il est clair que tout ça, c'est là-dedans et qu'on doit le savoir, bien entendu. Donc, le deuxième temple, les Maccabées sont des Kohanim. Ils luttent pourquoi? Pour le temple. Très bien. Pourquoi? Remettre la prêtrise, remettre la Kéouna, redonner la sainteté au temple. Oui, ah, ils oublient juste une chose au passage, c'est qu'une fois qu'ils ont redoré le temple et redonné au temple ses lettres de noblesse, il faut qu'ils laissent place à ceux qui sont dans la lignée royale, c'est-à-dire la tribu de Yehuda. Or, ils s'arrogent le pouvoir royal, c'est le début de la fin, jusqu'à Hérode, les Romains, et vous savez que tout se terminera dans une véritable catastrophe, bien que nous soyons à une période où le judaïsme est florissant.
l'ensemble des maîtres du judaïsme de l'époque seront incapables d'enrayer la haine gratuite qui se profilera et qui ensuite va s'écouler dans les rigoles de Jérusalem et de toute la Judée, à tel point, bien entendu, que lorsque les Romains vont donner l'assaut à Jérusalem, ces rigoles dans lesquelles s'écoulait la haine gratuite, eh bien, elles prendront la couleur rouge immédiatement. Nous avons deux exemples, enfin, écoutez-moi. Qui vous êtes, vous, Monsieur Marcus ou Monsieur Cohen, pour me dire votre troisième tentative, elle sera beaucoup mieux que la première et la deuxième? Qui êtes-vous? Alors, on va prendre votre feuille. Et on va regarder ensemble. Parce que je ne veux pas tout vous dire, je veux que vous lisiez. Et je veux que cette feuille, elle reste entre vos mains. Parce que si quelqu'un n'a pas de polycopie, il va pêcher. Le titre, c'est « Haïm Medinat Israël Titkayem la Netzar ». Et j'ai bien précisé « Medinat Israël », puisque nous savons que concernant le peuple d'Israël, « Netzar Israël », c'est-à-dire que l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Avec l'inquisition de Torquemada, avec les pogroms de Chelminski ou avec les chambres à gaz de Birkenau-Auschwitz. L'histoire, l'Etzar Israël, l'Oyeshaker. En Égypte, nous sortirons un cinquième, quatre cinquièmes périront dans l'Égypte pharaonique. Mais l'homme échané, à l'époque d'Ezra et Nehemia, 42 000 sortiront. La majorité ne sortiront pas. L'histoire continue. Et puis, vous savez, l'Éternel l'avait dit à Moshe, hein, après la faute du veau d'or, je vais tout recommencer à partir de combien? À partir de toi. D'un seul. Donc, vous voyez que à partir de ce moment-là, nous savons que tout chiffre qui irait au-delà de 1... Gloire à l'Éternel et miséricorde, bien entendu. Parce que véritablement, il avait la possibilité, il y aura un dialogue, bien sûr, entre l'Éternel et Moshe pour ne pas accepter cela. Alors, deuxième phrase que je vous ai mis, mais je vous ai mis que le début. Im berukotai tilchou. Si dans mes lois, si vous suivez mes lois, ou dans mes lois, vous vous conduisez. C'est-à-dire, as. La suite, c'est si vous êtes honorable vis-à-vis des lois que je vous ai octroyées, il est clair que vous aurez une récompense. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, vous entendrez autour de vous que tous se prévalent d'être porteurs de récompense. Les descendants d'Ishmaël ne vivent que pour les vierges de demain. Et la chrétienté n'aspire qu'au monde futur, au monde de l'au-delà, certainement pas ce monde-ci qui est méprisable. Ah bon, bah dis donc, si les Ismaélites ont des, je sais pas combien, 72, etc. Si les autres attendent un monde qui est l'espéranto des lendemains qui chanteront, alors qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Ça doit être les illa, mais les illa, ça doit être d'autant plus. La fin de la phrase, c'est quoi? Je vous donnerai la pluie en son temps. C'est tout. On l'a déjà. Ah, ben c'est vraiment maigre. C'est vraiment maigre. C'est vital. Oui. Mais vous donnez la pluie en son temps lorsque vous marcherez dans selon mes lois et que vous suivrez mes commandements. Ceci est un signe de notre collaboration, je n'aime pas employer le mot collaboration, mais épousaille. C'est le mot que j'emploie concernant la relation entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Il s'agit d'épousaille. D'ailleurs, nous disons, lorsque l'Éternel va promettre la terre d'Israël aux enfants d'Israël, il dit à Moshe, c'était la semaine dernière dans Parashat Vayera, je vous octroierai la terre, c'est-à-dire comme une moracha. Moracha, c'est un héritage. Et nos sages sont venus de suite et nous ont dit, ne lisez pas moracha, lisez meurasa. Non pas héritage, mais fiançailles. Parce que c'est une histoire d'amour. Mais quand il est une histoire d'amour, vous comprenez que lorsque l'un vient à tromper l'autre, il est normal que l'autre veuille divorcer.
Et donc, je dis, selon cette loi, il y a donc, j'amène cette phrase pour vous dire que dans l'événement d'Israël sur sa terre, bien sûr que si les enfants d'Israël vont, marchent, vivent selon les lois de l'Éternel, la pluie sera en son temps. Et la question que vous devez vous poser, comment se fait-il que la pluie vienne en son temps alors que tous les enfants d'Israël ne marchent pas dans ses chemins? C'est vrai. La troisième phrase, Zechor Yemot Olam, souviens-toi des jours du monde, souviens-toi des jours d'antan. Binouch not dor vador, essaye de comprendre l'histoire des générations. Cette phrase que vous avez là est la phrase essentielle pour faire comprendre à l'homme d'Israël que l'une des matières à étudier de manière essentielle, c'est l'histoire. Il est impossible de pouvoir comprendre, je reprends les mêmes mots, l'événement ou l'avènement d'Israël sans avoir étudié l'histoire. Et pour cela, dit l'Éternel, je vous donne un livre. La connaissance. Le Tanakh. Connaissance. Manitou, quand il rentrait dans une maison, alors il avait dit une fois, je suis étonné de voir que dans tous les foyers avec la lumière du feu et la chaleur de la flamme, bien entendu, il y ait autant de livres chez tout un chacun. C'est vous dire ô combien nous sommes nuls et non avenus. Parce que si nous connaissions, il nous suffirait d'un seul livre. Essayez d'être indéportable, vous faites comme moi, vous mettez sur Retail, Check-in, Nome Chanema, c'est un automatisme qu'il faut avoir. Le livre, la quantité de livres ne vient pas témoigner d'une grande connaissance. La grande connaissance serait si nous avions un seul livre et que ce livre nous serve de référence. Parce qu'ici, lorsque je vous ai parlé, par exemple, tout à l'heure de Rechavam, le fils de Shlomo, qui rencontre Yerovam à Shrem pour des problèmes socio-économiques. Moi, je ne sais pas ce que c'est des problèmes socio-économiques. Peut-être que vous avez lu un de mes articles concernant Shlomo Ameler, il y a quelques mois, où la moitié du règne de Shlomo, c'est celle qu'on présente en général à tout le monde. Moi, j'ai écrit sur la deuxième moitié, c'est-à-dire celle qu'on ne présente pas et qui est véritablement grandeur et décadence. Et c'est là que ça m'intéressait, parce que on sait bien que le fils Rechavam ne se présente pas, une fois le père mort, devant Yerovam par hasard, mais qu'il est l'enfant qui reçoit en héritage le royaume d'Israël, mais où la situation économique, les forces travailleuses sont au bout du rouleau, il y a de grandes manifestations, il y a de grandes revendications, les impôts. Les heures de travail, la quantité de travail. Enfin, si vous n'avez pas étudié un tant soit peu sociologie et d'économie, vous êtes obligé de vous pencher. C'est-à-dire qu'à travers ce livre, il y a une approche multifonction de l'événement humain, où le regard dans ce livre nous permet d'aborder non seulement l'histoire, mais durant cette histoire, cela concerne des événements qui traitent de la géopolitique, de la sociologie, de l'économie, des sciences humaines, de la philosophie. Et continuellement, nous sommes à même d'essayer de comprendre. Je vais pas parler de ce qui doit subvenir maintenant, la paracha de Bo, que nous allons lire Shabbat, Béchalar la semaine prochaine, l'événement égyptien. Il faudrait un temps soit peu pour comprendre l'événement des enfants Israël en Égypte, avoir une idée de ce que représente le système pharaonique. De quoi parle-t-on? À peine sortis d'Égypte, ils vont être confrontés à des peuplades environnantes, à des tribus nomades. Mais qui sont-ils? Quel est l'organigramme géopolitique de l'époque? Qui est Amon, Moab? Qui sont ces gens-là? D'où viennent-ils? Les relations avec ces gens-là. On nous a toujours dit que Amalek a agressé
sans aucune raison. C'est vrai, Israël, mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Vous savez combien dans une rencontre, par exemple, qu'une psychologue, psychologue d'éducation, lorsqu'elle appelle un enfant à son bureau parce que la maîtresse a signalé ou le prof a signalé des problèmes, combien de questions va-t-elle poser? Pourquoi faire? Pour essayer de cerner la situation. Et en cernant la situation, elle va pouvoir peut-être toucher la nekuda ikarit, le point principal, mais sans avoir une approche globale de l'événement. Comment voulez-vous toucher à l'essentiel? Et ça, c'est un manque. Donc, je continue. Donc, l'histoire ici est fondamentale. Maintenant, regardez, je vous ai amené quatre mécordes, quatre sources. On pouvait en amener des centaines. Vous pouvez me croire sur parole, j'en ai amené quatre. La plupart sont midrashiques, c'est-à-dire elles appartiennent à l'exégèse biblique, au commentaire biblique, à l'appréciation de ceux qui ont lu ce qu'on nous demande de lire et qui ont entendu et compris un certain nombre de choses. D'où, quand vous prenez le Tanakh, il n'y a jamais de commentateur. Je vous l'ai dit, je le dis à tout le monde, commentaire, c'est comment taire le propos individuel de celui qui le lit. Pour quelle raison? Afin que vous puissiez entendre le son de votre voix comprenant. Oui. Vous avez mes élèves, mes étudiants, automatiquement. Oui. Arabe, j'ai vu chez Rambam, chez Ibn Ezra, chez le Malbim. Et le Rav Bochko, Rav Moshe Bochko, Zecher Tzadik Livracha, le père du Rav Shaul David, la Yeshiva de Gorav Yaakov et Khaled Yahou, disait à son élève, tu as dit quelque chose? Ibn Ezra, moi je connais, j'ai déjà lu. Ramban, je connais, j'ai déjà lu. Mais je voudrais, pour qu'il est dans la classe, j'aurais aimé entendre le son de ta voix. Pourquoi te cacher derrière autrui? Et sachez que chacun de nous ici a une appréciation du propos, du verbe et du complément qui est tout à fait différentiel. C'est vrai que ça demande, pour notre part, à faire preuve et surtout à faire valoir la confiance que nous avons en nous-mêmes. Nous sommes suffisamment intelligents. Ma femme, qui est chez sa maman en ce moment, me dit toujours, mais tu leur parles, on dirait qu'ils sont tous à l'université, déjà en doctorat. Non point, mon ami. Je dis simplement que l'homme créé est un homme qui est réfléchi, intelligent, émotionnel et passionnel. C'est-à-dire que je mets dans l'intelligence, dans la réflexion, dans l'émotion et dans la passion des capacités non seulement au niveau du IQ, c'est-à-dire du quotient intellectuel, tout autant que, comme l'avait découvert notre cher Dr. Daniel Goleman aux États-Unis dans les années 70, le EQ, Emotional Quotient, c'est-à-dire du quotient émotionnel. Vous savez qu'on a fait plein de ratages dans l'histoire avec cette histoire de penser que nous allions appréhender la capacité d'être de l'élève simplement d'après son quotient intellectuel. Il s'est avéré à partir des années 70 que l'imbrication équationnelle entre le quotient émotionnel et le quotient intellectuel était essentielle pour pouvoir appréhender cet enfant et le promettre à un avenir probant. Je voulais poser une question, mais je pense en partie de répondre. Oui, c'est juste, on ne peut pas rentrer dans le vif du sujet, ce n'est pas notre sujet. Je dis simplement que nos questions. Donc je lis, allez. Makor Rishon, Midrash Tanchuma. Le chapitre Nunchet 58, vous savez qu'on utilise des chiffres et des lettres en hébreu, bien avant Armand Jabou. Masoret Agada I. Masoret Agada, nous avons une tradition du récit. Le Talmud est fait en deux pages, je suis grossier, hein, en deux pages. La première est une page où le discursif est législatif, et la deuxième page est discursif. Un discursif sur le récit et le sens du récit. Il y a des questions de loi et des questions qui traitent sur des événements qui amènent à penser, à réfléchir, à certaines morales, à certaines éthiques, ce qui nous fait dire que le Talmud est fait de deux parties, comment faire,
Et comment penser? Il est impossible d'étudier l'une sans l'autre, car il est impossible de faire sans penser, comme il est impossible de penser sans faire. Or, sachez-le, pendant des centaines d'années, on a bâclé les pages de Haggadah pour ne préserver que le discursif législatif. Mais il y avait une raison. La raison, c'est que les récits haggadiques viennent de manière générale provoquer une remise en question, non pas de la loi, mais la remise en question de l'être par rapport à la loi, par rapport à l'événement d'Israël. Je vous donne un exemple, le traité de Sanhédrin, tout ce qui est le 11e chapitre, qui n'est pratiquement fait que de récits, alors lui, à 90%, est un chapitre dans le Talmud qui vient parler de la fin des temps. Vous comprenez que c'est un sujet qui est, comment dit-on en français ? Tabou. Tabou. C'est-à-dire ? Sujet tabou qu'on ne veut pas, sur lequel nous ne voulons pas discuter. Vous avez dit d'or, vador. D'époque en époque. Oui, non. Binouche, notre d'or, vador, ça veut dire étudier chaque génération, essayer de comprendre chaque génération. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas si on doit vraiment regarder derrière nous aussi proche pour pouvoir comprendre un petit peu plus loin. Simplement, je me réfère à ceux qui, de la même époque, ont des appréciations critiques et différentielles. Un exemple, Rabbi Zera va quitter la yeshiva de Pompédita en Babylonie. Il faisait partie de ceux, ou des descendants de ceux qui ne sont pas montés, avec Ezra et Nehemia, Zrovavel, et les autres, et il va décider de partir. Son maître, c'est Rabbi Yehuda. Pour lui annoncer qu'il part, il le rencontre dans un mikvé. Pourquoi ? Mais parce que dans la situation où se trouve Rabbi Yehuda dans le mikvé, il était impossible d'engager une discussion discursive, ni un débat quelconque. Il est simplement voulu lui annoncer « Rabbi, je me tire ailleurs ». Et il va jusqu'au Jourdain, où un goy est là avec un embarcadère. Qu'on dirait que le Jourdain à l'époque était plus important que celui que nous connaissons. Et que fait Rabbi Zera ? Il plonge. Et le goy fait, mais ils sont fous, ces Romains, ils sont fous, ces Juifs. Chez l'embarcadère, il n'attend pas que je revienne pour le prendre. Et Rabbi Zera lui dit, si un Moshe n'est pas rentré là où je veux aller, je n'ai point le temps d'attendre ce qui m'est offert sur un plateau d'argent. Et quand il arrive sur la rive Eretz Israël, on ne sait pas très bien où ça se passe, la seule chose que nous savons, c'est qu'il va décréter pour lui un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Et lorsque une retraitée passa par là, elle le vit et elle lui dit, « Qu'avez-vous, mon bonhomme ?» Et alors, il lui dit, « Je jeûne. Mais regardez dans quel état vous êtes. Pourquoi jeûnez-vous? Depuis combien de temps jeûnez-vous? » Alors, il lui dit, « J'approche de 40 jours. » Il dit, « Mais pourquoi jeûnez-vous autant ?» Pour oublier le Talmud de Babylone. Et il est, alors, c'était peut-être exagéré de sa part, mais sachez en tout état de cause que nous sommes confrontés à un certain nombre d'événements que nous devons juger, analyser. Un exemple, le monsieur dont je vous ai parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure, à Rabbi Yehuda Leib, Maharal Miprag, a été pendant un peu plus de 200 ans mis dans les oubliettes. Il faut bien se poser la question de savoir pourquoi. Essayez de rendre... Je rentre dans les synagogues, parce que je donne cours un peu partout, donc c'est entre nous. Je demande automatiquement, les premières fois où je suis arrivé, vous pouvez me donner un livre de Tanakh, j'ai oublié le mien. Ça va prendre entre 15 et 20 minutes avant qu'on me trouve un livre de Tanakh. Mais les étagères sont pleines de grands livres. Mais le tout petit, qui est tellement grand, lui n'est pas. Mais rentrez dans des yeshivot, dans beaucoup de yeshivot et de kollelim, demandez un Tanakh. Il n'y a pratiquement pas d'étagère de Tanakh. Mais il y a des étagères de Talmud et de Shulchan Aruch. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait ?
Qu'est-ce qui nous a fait ce pauvre livre? Trop petit. À côté de ça, je suis rentrée dans des endroits comme, je ne sais pas si j'ai le droit de citer, qui sont tout à fait, comment dirais-je, religieux, non pas religieux, pas mais qui sont médinites. Et là-bas, on a trouvé des parties de Tanakh qui n'avaient plus rien à voir avec le Tanakh. Donc ça, je ne sais pas où c'est, je vous parle moi de ce que je connais, je ne viens pas voir des exceptions de l'histoire, je parle de manière générale. Je dis simplement que si, prenez des livres comme Rabbi Yehuda Lévi à Kuzari, ça fait partie de l'essence de l'étude. Et le livre du Kuzari n'est pas étudié. Le Maharal de Prague n'est pas étudié. Le Tanakh n'est pas une matière que l'on étudie en tant que matière tanakhique. Et j'ai mon fils qui est Rav et prof de Chabad, et il a fallu que je sois derrière lui pour lui enseigner le Tanakh, parce que pour eux, le Tanakh, c'était des psukim qu'il y avait dans le Talmud. Or, les psukim, c'est un livre qui a servi de base. La Mishnah vient d'ici, et si on a discuté sur la Mishnah pour en faire une Gemara, c'est qu'on avait ça en tête déjà. C'est important à savoir. Et il faut remettre les pendules à l'heure. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, au moment où l'histoire est en plein bouleversement dans l'Europe qui fut la nôtre, il est très possible que, n'ayant pas lu ce qu'il fallait lire ou d'avoir pu tout lire, entre autres choses ce Tanakh, que beaucoup d'entre nous soient passés à côté de l'histoire et ont dû subir les conséquences d'une histoire mal vue. Dov, il s'est éteint ? Non, je lis, alors c'est possible. Ma soret agadari, she'en Yerushalayim nivnit, Jérusalem n'est pas construite jusqu'à Hachetikanes Tikansu Agaluyot, jusqu'à ce que les exils se rassemblent. Ve'im yomar lecha adam, et si un homme te dit qu'ils se sont shekvar nikvatsu agaluyot, que déjà les exilés se sont rassemblés, ukvar nivnit Yerushalayim, et que Jérusalem est reconstruite déjà, alors al tahamin, ne crois pas à cela. Shechem katuv, car il est écrit, bonne Yerushalayim Hashem, l'Éternel construit Jérusalem, ve'achakar nitre Israël yekavetz. Et après cela, l'Éternel rassemble les exilés. Une phrase que vous devez analyser et essayer de comprendre. Ça veut dire quoi? Que l'Éternel reconstruit Jérusalem et que les enfants, les exilés, reviennent ensuite. Nous avons bien vu qu'au premier temps, ce n'était pas le cas, et au deuxième temps, ce n'était pas le cas. C'est donc qu'on veut nous dire dans ce propos-là que l'Éternel prépare le tachtit, c'est-à-dire les fondations de ce qui sera élaboré, construit, édifié par ceux qui reviendront. C'est-à-dire que l'Éternel va créer une situation opportune afin que les exilés reviennent. Ce n'est pas l'Éternel qui vient avec un marteau et un clou. C'est comme dire il n'a pas de main l'Éternel, il n'a pas d'épaule, c'est de l'anthropomorphisme, mais c'est certainement pas venir dire que l'Éternel a une main. On ne le décrit pas dans son physique mais par ses attributs, c'est-à-dire. Et donc je continue. Amrou Israël ifna kadosh bourou, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, ribono shelola lokvar nivnit Yerushalayim vechaveva. Il dit, Éternel, Jérusalem n'a-t-il pas déjà été construit et il a été détruit? Ça, c'est ceux qui viennent et qui vous disent, excusez-moi, après deux expériences, je suis rentré dans une certaine forme de pessimisme. Je n'espère plus. Je vous rappelle, entre parenthèses, dans le Sefer Yechezkel, ici, à la même époque que Yirmiyahu est prophète, nous sommes 11 ans avant la fin, la destruction du premier temple. Et déjà, les enfants d'Israël, exilés du royaume d'Israël en Babylonie, viennent voir Yéhézkel 11 ans avant la fin du temple et lui disent, prophète,
adorons la pierre et le bois, car il n'y a plus aucun espoir. On avait fait cette étude il y a un an, mais et de l'autre côté, alors que le temple est construit, et que Yirmiyahu a dit que les Babyloniens sont la main de l'Éternel qui condamne Israël, et qu'il faut laisser faire, car dans 70 ans nous reviendrons, il y a des faux prophètes qui jettent de la poudre aux yeux des enfants d'Israël pour leur faire croire à des événements qui ne sont pas. Et Yirmiyahu prouvera le contraire. En tout état de cause, il est question ici de ce que disent les enfants d'Israël. Tu as déjà construit, et ça a été détruit. Une fois, deux fois. On ne voit même pas de véritable raison à croire en une troisième reconstruction. Amar lahem, il leur a dit, aliede avonote chareva. C'est par vos fautes que cela a été détruit. Végalite mitocha, et que vous avez été exilés d'elle. Ouléatid lavo. Et dans un futur à venir, ani boneota. Entre parenthèses, je vous ai rajouté Zélo Kachour les Avonot et la Reine. Le fait que je crée une situation opportune une troisième fois, que je crée les conditions qui amèneront à reconstruire Jérusalem et à voir les exilés venir, entre parenthèses, ceci n'étant pas dépendant de cela, à quoi je me réfère? À une discussion dans le traité de Sanhédrin entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua qui dit « la délivrance est dépendante du repentir » et Rabbi Eliezer qui dit la rédemption est indépendante du repentir. Et dans le Talmud de Babylone et dans le Talmud de Jérusalem, Rabbi Yoshua se tait, dans Jérusalem, il s'en va. Dans les deux cas, la conclusion est ce que vous connaissez en français, qui ne dit mot, consent à ce que Rabbi Eliezer disait. J'ai donc rajouté entre parenthèses que si je crée une situation opportune, elle n'est pas dépendante. Laquelle? Quelle situation opportune? La troisième. Veini oresota leolam, chenema ki bana Hashem tzion. Léatine Lavo, la troisième reconstruction, indépendante de votre situation, quelle que vous soyez. Pourquoi? Parce qu'on a lu Yeshayahu. Vous avez lu Isaïe, Beïta Hashena. Hashena en son temps, donc les choses se déroulent naturellement, c'est l'heure de l'accouchement, l'enfant naît. Ou bien c'est l'heure de l'accouchement et l'enfant ne naît pas et les douleurs de l'enfantement seront provoquées. Et cela ne dépend en aucun cas de la situation dans laquelle se trouve la mère à ce moment-là. Il n'y a aucune médecine au monde, lorsque la date sera passée, qui, quelle que soit la situation de la mère, ne va pas provoquer, je ne dis pas la naissance, mais l'extraction du fœtus. Quel que soit. Comment? Oui, oui, bah, oui, ça c'est... On ne rentre pas dans des considérations maintenant, là, pareil. Émotionnel. Donc là, c'est, regardez, le deuxième, vous avez bien compris la première mécan, tu dis que tu construis et nous venons, que les exilés se rassemblent et après ils construisent, mais toi tu as dit non, c'est moi qui construis et les exilés qui reviennent, mais enfin, tu as déjà construit, on est déjà revenu. Ça n'a pas marché du tout, dans aucun cas. Il leur dit, là-t-il l'amour. Le futur, c'est quoi le futur? C'est le troisième, il n'y en a pas d'autre. Là, je construis, je crée les conditions opportunes pour que vous reveniez, pour que Jérusalem soit reconstruite. Kibana Hashem Tzion. Je suis jusqu'à ce jour intimement persuadé, et je prends qui que ce soit, à défaut d'essayer de me contredire où que ce soit, dans le fait que l'ensemble des événements de l'histoire, c'est la main de l'Éternel dans l'histoire.
Si, et je peux vous dire, on peut passer une soirée à analyser les événements de notre parole, ne serait-ce que sur les 150 dernières années. C'est un jeu plaisant au possible, malgré la rencontre avec les drames et les tragédies de l'histoire. Mais la main de l'Éternel est là, sans aucun doute. Deuxième passage, Ve'ach Rishit Ivaterba. Ça, c'est Zecharia, c'est directement tiré du prophète Zecharia. De quelle époque il est Zecharia? Tu ne sais pas de quelle époque il est, tu ne comprends pas ce qu'il va dire. Zecharia, il vient en Eretz Israël avec Ezra, Nehemia, Zrobabel. Et il ne s'appelle pas Zacharie, parce que d'ailleurs il ne riait jamais. Mais en hébreu, ça s'appelle Zecharia, celui qui est capable de rappeler le souvenir de l'Éternel. Comment je suis coléreux concernant ces noms français qu'on garde, qu'on veut préserver comme si c'était Torah Misina et Hashem Yerachem. Nous avons des noms en hébreu qui sont porteurs d'une signification et donc d'une essence. Et il est interdit de profaner l'essence du nom hébraïque. On lit la Bible en français, c'est normal qu'on comprenne ça en français. J'ai dit porter. Hein. Quand je fais l'appel au début de l'année, elle me dit « je m'appelle Déborah ». Dit, qui c'est vous? Qui c'est? Je connais pas. Page après page, je tourne, je cherche Déborah. Déborah, ma fille, viens ici. Où est l'Omanda? C'est Déborah. Et Yolande, elle est marquée. Ah, laisse-moi tomber. Alors, je lis. Vashlishit Ivaterba. Mazé Ashlishit Ivaterba. Le troisième, il s'y retrouvera, ou il y résidera, ou il y restera. La suite, c'est l'eau, mitiashvim be'artsam, et la be'geoula, shlishit. Mazé mitiashvim, vu que j'ai un regard sur les arriérés de mon peuple, je sais qu'ils sont venus pour habiter, mais qu'en fin de compte, ils n'ont fait que résider temporairement. C'est-à-dire que le verbe que j'emploierai, lagour, erreur humaine, que les Ulpanim font Efo Atagar, Anigar Be'Ashdod, Yabrel, Ani Yoshev Be'Ashdod, Ani Logar, Lama, Lagour, la racine, c'est guerre. Le verbe Lagour, c'est résider comme étranger au lieu de ma résidence. Qui dit cela? Les enfants d'Israël, enfants de Yaakov, lorsqu'ils sont présents devant Pharaon. Qui bat nous la gour. Et le problème, il devient quoi? Le problème de la semaine dernière. Vaïchem Israël, Be'eretz Goshen. C'est là que commence la décadence de la grandeur. Alors c'est quoi dans, c'est pas la Yoshevet, Ani Yoshev Be'eretz Israël, Ani Yoshevet Be'Ashdod, Ani Logara Be'Ashdod. Et si quelqu'un te dit Ani Logara Be'Ashdod, Tagurata. Troisième référence. On ne se dissipe pas. Du Mechilta dans Parashat Beshalar. Essayez de vous concentrer. Achuotiavu, les délivrances qui ont eu lieu. Ayahareen Shiaboud, les délivrances qui eurent lieu furent suivies d'esclavage, d'exil. Shiaboud. Shiaboud, c'est pas simplement lorsque je me retrouve dans les premiers camps de concentration de l'histoire à Memphis et Luxor en Égypte. Bon. Shiaboud, c'est celui qui devient aussi l'objet de son histoire et n'a plus le pouvoir de rester le sujet de son histoire. Sujet maître, objet passif. Est-ce que c'est clair? Shiaboud, vous avez des gens, c'est comme entre les morts et les vivants. Vous avez des gens qui marchent tous les jours dans la rue. Ils vont au travail, ils mangent, ils viennent, mais ils sont morts. Ils sont morts. Ils n'ont pas d'existence profonde, intérieure, dans l'essentialité de l'être qu'ils sont. Non, ils n'ont pas cela. Alors on les appelle des morts vivants. Car si vous vivez pour n'être que le produit
de la matière mouvante qui est la vôtre, ben, ce n'est certainement pas le but de la création. Le but de la création, c'est que ce corps soit le reposoir de l'âme insufflée et que la vie qui est la vôtre vous permette par la vie de comprendre l'existence. Vous voyez pourquoi je vous dis, faut, toutes les semaines, il faut étudier le Tanakh, sinon on n'en finira jamais. Même avec ça, on ne finira pas déjà. Top. Et alors, il dit ici, « Aval atchua tida, la délivrance à venir, l'iot qui sera, el acharea shiabud. » Après elle, il n'y aura plus d'objet de l'histoire, ni d'esclavage, ni quoi que ce soit. Laquelle ? Le troisième retour. Alors avant que je continue, parce que le temps file, mais je dois vous dire, je m'interroge moi-même à ce que je dis. Vous nous dites à travers le Tanhuma, le Midrash de Shoftim, le Midrash Tanhuma avant, le Mechilta sur Béchalar, Zecharia, vous nous dites, alors le troisième, c'est, mais comment je vais le savoir, moi, que c'est le troisième ? Et qui me dit qu'il n'y a pas deux et demi ? Alors, comment saurais-je qu'il y a un troisième retour ? Encore une fois ? Ne pas savoir, c'est ne pas avoir lu et étudié. Alors, vous avez raison, l'histoire des humains, c'est l'histoire des cancres de l'histoire. On est entièrement désolé. C'est comme cela que des dictateurs pourront prendre les pouvoirs et emmener l'humanité comme un bétail à l'abattoir. C'est parce que les hommes avaient aussi décidé de rester dans les régimes de la médiocratie qu'ils avaient créés. Ils avaient simplement oublié qu'à force de médiocratie, c'était le cancre là qui serait le régime du quotidien. Et là-dessus, nous devons être intraitables. Regardez, pas seulement le peuple d'Israël, regardez autour de vous, les nations, comment des pouvoirs dictatoriaux sont venus. Et les grands de la génération d'avant, avant 150 ans, ils existaient, ils n'ont pas lu le Tanakh, oui, pourtant, le Tanakh existe depuis l'État de l'Orient. Je ne parle pas de ce qu'il y a eu avant. Ce qui m'intéresse, c'est alors que l'événement de l'histoire se bouleverse. Or, avant 150 ans, l'événement est beaucoup moins bouleversant qu'après cette date d'il y a 150 ans. Pourquoi le Talmud a toujours été étudié depuis tout le temps et le Tanakh a toujours été ignoré ? C'est la question même par que les plus grands des plus grands. C'est la question que j'ai posée. Il a fallu que ce soit toi qui vienne pour la poser ? Non, le Maharal de Prague, je vous ai dit, au XVIe siècle. Donc oui. On est au début de la Renaissance. Et sa question, elle est posée, elle n'est pas posée comme question. C'est un texte qu'il a écrit il y a 500 ans et sur lequel, eh bien, il y a une pierre d'achoppement concernant une critique vindicative de ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Et il dit que cela nous emmène à des catastrophes. Moi, je ne suis pas le Maharal de Prague et je n'ai pas l'intention de me mesurer à lui d'ailleurs. Mais je lis le Rambam, je lis Rabbi Yehuda Lévi, je lis Rabbi Yosef, ne me laisse pas courir parce qu'on doit avancer. Je dis simplement la question de tout à l'heure, comment saurais-je que nous approchons de la troisième délivrance ? Puisque l'Éternel a dit, je vais créer une situation opportune, je vais créer des conditions qui devront vous permettre de... Maintenant, je ne veux même pas traiter des conditions opportunes, mais de ce qui s'est réalisé. Lorsque je vais voir Yéhézkel, chapitre 36, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez passer ça le soir avant de dormir, et le répéter tous les soirs, chapitre 36, la Metvav, là-bas il dit, « Et je vous ai sorti d'entre... » Je le fais vite en français. « Je vous ai sorti d'entre les goïms parce que vous avez profané mon saint nom parmi eux. Comment avez-vous profané mon saint nom parmi eux lorsque eux vous regardaient et disaient « Voilà le peuple de l'Éternel et de sa terre ils sont sortis. »
là-dessus, nos sages ont demandé, mais si on fait kashrut, nida, hala, tfilin, talit, couscous et machin, ça s'appelle profaner le nom éternel. Il dit, vous pouvez faire tout ça. Le seul fait que vous soyez parmi eux et qu'ils fassent cette réflexion, c'est profaner mon nom. וחיללתם את שם קודשי בתור הגויים, ואמור להם, אלי עם השם ומארצו יצאו. Seulement. Seulement cela. Mais c'est lui qui nous a exilés. Non, c'est nous. C'est nous. Mais par nos fautes, d'accord. Mais... Ce n'est pas la même chose. Mon père est fautif de m'avoir puni. Il n'est pas fautif de m'avoir puni. J'ai créé une situation, j'ai imité sa signature, j'ai mal travaillé, j'ai frappé un copain, j'ai violé une jeune fille, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et vous voulez me dire que c'est le juge qui est fautif? Renversons pas les rôles. C'est nous qui avons mal supporté la différence de l'autre. C'est nous, alors que nous étions tellement versés dans l'étude, qui avons sorti un poignard. Cohen que j'étais, pour poignarder l'autre Cohen alors qu'il montait sur la halia à la Misbéar. Et j'ai même eu le culot de me retourner vers le Cohen Agadol et de lui dire « Il est encore cachère pour la Shrita !» Sina, Chilul Hashem, Retsa, Shfichut Damim, Ve'azut Padim, effronterie. Et vous voulez me dire que alors, je veux savoir, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors bon, alors la suite, c'est quoi? Bon, je vous ai sorti, mais quoi? Il dit, vous verrez. C'est repris dans la Gemara de Ktuvot, page 98, recto. Et dans la Gemara de Sanhedrin aussi. Vous aurez deux signes. Rachi, là-bas, il a écrit un petit mot, vous savez, depuis trois, sur sa chaise de pierre. Il devait faire froid dehors, donc il était à la maison, il a eu le temps d'écrire. Il habitait le terroir de Champagne, d'ailleurs, vous savez. Il était viticulteur aussi, un homme qui travaillait, bah, au prochain. Et il écrit, tu n'as pas d'autre signe que celui qui est écrit dans Yeheskel. Alors la Gemara ramène ce qui est écrit, parce qu'elle, les Amoraïm, les auteurs de la Gemara, eux, c'était acquis que le Tanar était connu. Quand ils parlent, ils ne reviennent pas là-dessus. Ils te citent des versets, des machins, ils jouent à coups de versets. Ça veut dire que j'utilise des choses qui font déjà partie de ce que je suis. Mais que les autres viennent travailler sur ce que eux ont acquis à force de travail et de labeur, et il manque quelque chose dans le jeu. Alors quel est le passage de Yéreskel? Va'atem aré Israël, verem titnou, rerem tissou, qui a mis Israël, car vous l'avez. Et vous, montagne d'Israël, donnez vos branches, portez vos fruits, car mon peuple Israël est proche de revenir. Le Talmud, là-bas, nous dit, lorsque tu verras, ça c'est dans les Haggadot, attention, c'est pas dans la discussion législative, c'est dans les Haggadot à Talmud. Le Talmud dit là-bas, parce qu'il faut comment penser, comment réfléchir, comment analyser, comment appréhender l'événement. Alors le Talmud vient et dit, lorsque tu verras la terre donner son fruit, les prémices de sa récolte, et que tu vois les enfants d'Israël commencer à revenir, Rachid est en train de lire ce truc-là, il prend sa plume et il écrit, tu n'as pas d'autre signe, obvi, précurseur, que celui-ci. Obvi, c'est là-bas que ça vient. C'est Rachid. Tu n'as pas d'autre signe. Obvi, je traduis parce que ma correctrice m'a demandé de faire attention aux mots que j'emploie, de signe précurseur que celui-ci. Les signes avant-coureurs, si vous préférez. Alors, je regarde et je me dis, c'est quand, je me rappelle que quand on est revenu à l'époque de Cyrus, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'indépendance tout à l'heure. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de souveraineté. Qu'est-ce qu'il y a? Une autonomie territoriale. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Quand on est revenu la première fois, le chapitre 15 du Sefer Yehoshua nous dit toutes les conquêtes pour conquérir la terre d'Israël telle que l'Éternel l'avait ordonnée. Mais nous ne conquérerons pas tout. C'est la raison pour laquelle le Sefer Shoftim sera. Parce que nous avons laissé des nomades et des tribus étrangères parmi nous, nous allons récolter les méfaits. L'assimilation, par exemple, au milieu des Cananéens. Un Yavin Meler Canaan qui enverra son général Sisra pour combattre Israël. Et Dvora trouvera ce barade pour pouvoir se relever. Mais heureusement qu'on a eu les femmes et que Yaël s'est levé pour éclater la tête de Sisra avec un pieu de sa tente. Comme Judith le fera avec Holoferne. Mais
tu n'as pas d'autre signe. Alors je regarde et j'écoute. Alors, je l'avais dit déjà une fois, 10 fois, 100 fois, je l'ai répété 1 milliard de fois pour que ça nous rentre dans la tête à tous. En 1951, en janvier 51, le même jour, je ne sais plus si c'était le 8 ou le 10, donc on s'en fout, au mois de janvier 51, il y a des bateaux qui quittent le port de Haïfa. Ils sont chargés de caisses d'agrumes, des oranges et des avocats. C'est la première fois qu'il y a une petite étiquette verte et jaune dessus. Il y a marqué un mot qui deviendra célèbre. Jaffa. Vous savez quel bateau ils croisent quand les bateaux sortent? Quel bateau ils croisent? Ben, je vais vous dire un nom que vous connaissez, comme ça vous avez deviné de quel bateau il s'agit. Exodus. Quelle sorte de bateau? Exodus. Ils se croisent. 51? Oui. Non, c'est pas l'Exodus. Ah. J'ai dit des bateaux comme l'Exodus. C'est-à-dire l'Exodus emblématique ici. Bon, les decks. Oui, non, mais il y en a eu des dizaines. Où les gens arrivaient avec encore. Et puis, à part ceux qui arrivent d'Afrique du Nord, etc. Celui qui était au port de Haïfa, un vieux Marocain. Abba Barbe, Ya Allah, Hachemj, Ouai, 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 je t'abbache, Moula, Ouai. Mais à tes maris Israël, Anfirem Tidnou, ou Pérem Tissou, qui a mis Israël, car vous l'avez, Ouai, Rabbe. Quand il a écrit ça, il sait que moi, je vais être là et je vais être le témoin de ce que lui, il a dit il y a 2500 ans. Alors, si on l'avait dit aux gens, ils nous auraient pris pour des mystiques. Ils sont là, devant moi, ils sont. L'autre, il est en train de charger les caisses d'agrumes. Les autres, ils descendent. On est en train de les mettre en rond. On va les monter dans les camions. Cette fois-ci, Baruch HaShem, pour aller au camp de Haklit. C'est avant Haïfa, le camp d'immigration, le camp de Haklit. Puis, prends compte. Bien sûr que nous voyons que le tachtit, le sol, est en train de se préparer et que, bien entendu, eh bien, l'Éternel crée les conditions opportunes. Mais on n'a malheureusement pas le temps de tout finir ce que j'ai voulu vous dire, parce que je veux être explicite sur chaque chose et ça prend énormément de temps. Et nous voyons que comme j'avais rajouté dans le Midrash Tanhuma, peu importe qui vous êtes, c'est le moment. Et je vous envoie les signes du moment. J'étais à un cours il y a 18 ans chez le Rav Obadiah Yosef, Motzei Shabbat. Il avait une phrase que je n'ai jamais, jamais oubliée, et je l'ai répétée. La Torah que nous connaissons aujourd'hui en Eretz Israël n'est sans équivalent dans l'histoire du peuple juif. La Torah que nous connaissons aujourd'hui, la quantité, la qualité, l'ébullition qu'il y a. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ne serait-ce que dans le domaine des relations de Torah et de science, de Torah et de médecine, Torah et technologie, c'est impensable, c'est à la limite de l'improbable. Je ne vous parle pas maintenant de comment essayer d'apprécier comment un petit pays entouré par des centaines de millions, etc., etc. Enfin, des histoires, on en a mis pour Adonai Hadasha, on en a, on peut y passer la nuit, tellement les choses dépassent l'ordinaire, elles sont extraordinaires. Ce qu'avait dit Jean-Baptiste Micot, lorsque j'ai voulu classer les nations dans un tableau, je les ai toutes classées, sauf Israël. Jean-Baptiste Micot, à l'époque de la Renaissance, dira « Israël ne rentre pas ni dans la normativité que j'ai décidée, ni dans l'appréciation des valeurs que j'ai prévues. Il est, écoutez son mot, méta-historique. Méta-historique, il est en dehors des normes. Et bien entendu que l'événement Israël est un événement qui est méta-historique. Maintenant, l'Éternel nous a dit « Troisième retour, il n'y aura pas de destruction. » Le Rav Herzog, excusez-moi le prénom, je ne l'ai pas, mais c'est le Rav Herzog qui était à l'époque, 3 ans après l'indépendance d'Israël, en 51 aussi. Il est en voyage, il rencontre M. Truman aux États-Unis. C'est au moment de la guerre d'indépendance, il était aux États-Unis, il rencontre M. Truman, et Truman dit au grand rabbin d'Israël, il lui dit, écoutez,
évitez de faire des vagues, de vous fourvoyer. La situation n'est pas à votre avantage. Et puis sachez que nous, après ce qui vient de se passer en Europe, on est en 48, hein, on n'a pas envie de revivre une telle tragédie maintenant en Israël. Vous risquez gros. Le Herzog, il dit, je vous remercie, Mr. President, mais sachez que nous avons une tradition, telle que je vous ai amenée ce soir, que le troisième retour est sans appel. Nous déclarons donc la naissance de l'État d'Israël. Point barre. Mais vous allez... Je sais, nous allons... Vous venez de sortir de la Shoah, de chez Karib, et vous voulez rentrer chez Silla. Vous êtes fou? Et oui, complètement. De toute façon, on ne peut pas être apprécié selon les mêmes normes et les mêmes valeurs. Comprenez? Et il y a en cela... Donc gardez la feuille parce que vous pouvez vous amuser avec vos enfants, avec je ne sais qui. Le quatrième paragraphe, je fais juste une minute, c'est le Yalkut Shimoni où il est dit Amar Rabbi Yitzhak, Shana Shemeler HaMashiach Omed Lavo, l'année où le Mashiach est prêt d'arriver, Kol Melachim Motaola, Midgarim Zebeze, toutes les nations se disputent, Mazé Midgarim, se provoquent. Mais l'air Paras, le roi d'Iran, est en train de s'opposer au roi des Arabes, car la Perse ne veut pas qu'on la reconnaisse comme une nation islamique, comme une nation musulmane, mais comme une culture à part entière. Et le roi arabe, Meler Arami, Oler dit Oletzami Aram, et le roi arabe va demander conseil à Aram. Ben, j'ai pas le temps, mais Aram, je vous l'avais déjà dit. Aram, c'est l'hébreu de l'époque d'Abraham Avinu, c'est-à-dire Nahor, son frère, qui ne montera pas en Eretz Israël, qui restera avec Terah et lui à Aram, dont les descendants, Bethuel, Lavan, etc. On prendra les filles de là-bas pour les rendre à Israël, et la lutte de Lavan et de Yaakov sera justement que Lavan donne ses filles à Yaakov pour que Yaakov reste chez Lavan et qu'on coupe le cordon ombilical avec Eretz Israël. Et ça ne marchera pas. Vous vous rendez compte comment c'est passionnant? C'est pas passionnant, c'est excitant. C'est exaltant. Vous vous rendez compte l'une dans l'autre? On peut y passer la nuit. Moi, j'ai aucune raison de m'arrêter. Si, l'heure. Mais sinon, j'ai aucune raison, je peux y passer la nuit. Parce que c'est passionnant. Ouais. Et on aura vu que la surface de l'événement, sans pouvoir encore rentrer, parce que déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, il nous faut appréhender l'événement dans sa globalité. Alors il dit, allez voir Meler Aram. Mais José Meler Aram, le roi arabe, il revient. Ou Machrim et Kolaola. Et après son conseil auprès du roi de Aram, il décide la charia sur l'humanité, la djihad sur l'humanité, et toutes les nations du monde prennent peur et sont effrayées. Et elles tombent à genoux, tête contre tête. Israël, eux aussi s'affolent et s'effraient. Et où aller, où se cacher, les Hanavo Veneler, Margishim Shahare, Safranichio, Liyot Malkodet. On a l'impression que la terre se referme sur nous comme un piège. Omer Lahem, Akadosh Baruch. Et l'Éternel leur dit Banaï, Altityaru. Mes enfants, n'ayez crainte. Kol Mashiachiti. Asiti, Ella Bishvilchem, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Mipnema Atem Mityarim. Pourquoi prenez-vous peur? Pourquoi craignez-vous? Altityarou, ne craignez point. Iki Asman Geulatrem, le temps de la délivrance est arrivé. Velo Ke Geula Arishona, et pas comme la première délivrance. Geula Harona, la dernière délivrance. Ki Geula Arishona, Ayalachem Tsaha, Veshiamoud Malchuyot Aharea. La première délivrance, vous aviez l'esclavage, vous aviez les nations comme joug sur votre cou. Aval, aval,
Geula Chavona, En la Chemza'a, Veshi'abou d'Achavea. Il n'y aura plus de douleur ni d'esclavage après elle. Votre troisième retour sera le retour définitif, que vous soyez louable ou que vous ne soyez pas. C'est le début de la fin, et surtout de la fin d'un monde où les hommes étaient les objets de leur histoire. Je vous rappelle pour finir, parce que sinon je vais me faire trucider par ma compagne, ma chère épouse. Alors, on dit, le Mashiach, celui-ci, va arriver. Ani verochev al chamor, pauvre et chevauchant, excusez-moi, chevauchant, ananant sur l'âne. Seulement l'âne en hébreu, c'est chamor, c'est chomer, c'est la matière. Et lorsque le pauvre chevauche la matière, c'est que le monde a été bouleversé. Parce que tout le temps, jusqu'au troisième retour, c'était la matière qui a chevauché l'homme. Enfin, l'homme deviendra le sujet de la matière et non pas le contraire. Bien à vous et bonne soirée. Bon, il y a encore, hein, je ne sais pas si vous avez fait attention, on avait presque la moitié de la feuille, c'est extraordinaire. Il y a des endroits ce mois-ci où je n'ai pas fait un tiers, mais c'est énorme, 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 énorme. Mais ça doit nous interpeller que pas par hasard on se retrouve ensemble tous ces, chaque fois le mois en question. Ça veut dire que nous sommes intéressés par cela, et que nous devons entériner d'autant plus. Le temps qui nous est imparti est limité. C'est 120 ans et pas une année de plus. Et il faut utiliser ces 120 ans jusqu'à la dernière seconde. Lorsqu'on arrivera là-haut, Rabbi Zusha pleurait, se lamentait. Et ses élèves de lui demander, Rabbi Zusha, mais Niapoli, pourquoi te lamentes-tu? Parce qu'on va vous poser des questions là-haut. On connaît les questions. Et voilà, ça l'édrine. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour la délivrance? Est-ce que tu as prévu un temps pour étudier la Torah? Aïm Sipita, Yeshua. Aïm Kabata, Etim, la Torah. Quelle? Ah, pourquoi tu pleures? Il y a une autre question. Laquelle? Ils disent, m'appelle Zusha. Ils vont me demander quand je vais arriver là-haut. Zusha, est-ce que tu as été Zusha? Dvora, est-ce que tu as été Dvora? Roni, est-ce que tu as été Roni? Ou tu as fait que jouer les autres bénitiers? Ça, c'est important. C'est pas comment vous paraissez. C'est ce que vous serez. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui sera mis sur la balance de l'histoire. Voilà.